Ici, au centre de composition du CEG Sainte-Rita, la satisfaction se dessine sur le visage des candidats ce jour à la fin des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2024. Les trois de composition se sont plutôt bien passées avec les épreuves. Je ne pense pas que c'est si dur que ça. Je pense bien avoir la moyenne. J'ai eu des difficultés principalement pour l'épreuve de mathématiques d'aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à ça, mais je pense que ça va aller. Les épreuves ont été abordables, très très abordables, mais l'épreuve de matin peut jouer avec nous vers la fin du problème 2 et du problème 3, mais nous croyons que ça ira. La principale innovation apportée au BEPC cette année est que l'épreuve de physique, chimie et technologie PCT devient obligatoire pour tous les candidats, une réforme appréciée par la plupart d'entre eux. D'autres composaient seulement les langues, d'autres composaient seulement les maths. Mais cette année, j'ai appris qu'ils ont mis les deux filières. Donc, selon moi, c'est bien. Ça a été vraiment efficace parce que au début, moi, je voulais les deux. Et comme ils l'ont mené, ça m'a vraiment fait plaisir. Bon, ça m'a donné l'occasion de tenter mon expérience en PCT. Et bon, l'épreuve de PCT, je l'ai trouvée abordable parce que je l'ai calée. Et ça m'a fait plaisir. Pour rappel, le BEPC a démarré ce lundi 10 juin sur toute l'étendue du territoire national.